Alors bonsoir tout le monde. Nous sommes Paradox Plaza, un groupe de funk, fusion, jazz, groove, progressif, bizarroïde, issu du fruit de mon imagination délirante. J'ai l'air de rien comme ça, mais j'ai une formation en piano classique, puis un doctorat en musicologie. Puis dans la vraie vie, je suis prof d'histoire de la musique. Mais je trouvais ça un peu austère comme existence, puis je m'ennuyais de jouer de la bass puis des tunes bizarres. Alors j'ai décidé de fonder ce groupe que je vous soumets et propose ce soir. Et on a quelque chose d'un peu spécial ce soir, parce que la première personne que j'ai contactée quand j'ai voulu faire Paradox Plaza, c'est Nicolas Théolis, qui est au drame ici derrière nous en ce moment. Et au hasard a fait que, éventuellement, Nico est allé vaquer à des occupations plus sérieuses, mais j'ai réussi, en lui tordant quelques membres, à le convaincre de venir jouer la première toune de notre set de ce soir. Alors nous aurons, dès la deuxième pièce, notre drummer habituel, Vincent Ravary, mais aujourd'hui, par plaisir et par nostalgie, nous avons invité Nico Théolis pour jouer avec nous la première pièce qui s'appelle Singapore Sling, et qui va comme ceci. Thank you.
vous chier, merci. Alors la deuxième pièce de notre setlist, c'est une pièce qui s'appelle Black Velvet, en l'honneur d'une soirée où j'étais avec notre plus récent drummer, Vincent Ravary, qui crée son ascension sur le stage en ce moment. On lui demandera pas de chanter ce soir, sa voix est un peu défaillante, mais son timbre va être impeccable, je suis sûr. Et un soir, je traînais avec Vincent dans un lieu de déperdition morale de Sainte-Thérèse qui s'appelle le Saint-Graal. Et je lui ai demandé, Vincent, que bois donc-tu? Il me dit un Black Velvet. Je trouvais ça beau comme nom. Fait que j'ai décidé d'appeler ma composition comme ça. Alors, en l'honneur de Vincent, voici Black Velvet.
est une pièce inspirée d'une piste de ski à Jay Peak. J'ai découvert le ski alpin à 42 ans, ça a changé ma vie. Et j'ai dédié cette pièce à une piste particulièrement difficile qui fut pour moi, à un moment de ma vie, une grande leçon d'humilité. Mais avec un peu de persévérance, les choses humiliantes peuvent parfois finir par être agréables. Méfiez-vous et soyez avisés. Voici donc une pièce qui monte très haut et qui descend en faisant des bosses. Upper Milk Run.
The Hitchhiker's Guide to the Galaxy de Douglas Adams, il décrit le drink le plus puissant de l'univers, qui s'appelle le Pan Galactic Gargle Blaster. Et un des ingrédients essentiels du Pan Galactic Gargle Blaster est une liqueur qui a pour nom Jank's Spirit, qui a donné son nom à la pièce suivante. Moi-même, quand j'abuse du Jank's Spirit, je fais des choses étranges comme écrire des pièces à 4-4. Ça m'arrive des fois. Et voici ce que ça donne. Thank you.
j'ai écrit les pièces pour ce groupe, je me suis rendu compte que certaines influences de ma lointaine adolescence refaisaient surface et se manifestaient presque malgré moi. Comme en témoigne l'introduction de la pièce suivante qui est éhontément inspirée d'une introduction de pièce de Gentle Giant qui s'appelle The Proclamation et qui enchaîne sur une espèce de jazz funk étrangeoïde. Comme si Maceo Parker et Gentle Giant avaient voulu faire une tune ensemble. Alors, Paradox Plaza est le band des hypothèses invraisemblables. En voici une suivante. Ça s'appelle Brass Machines. Thank you.
C'est déjà l'heure de la dernière pièce de notre premier set. Je voulais, avant de finir ce set, d'abord vous remercier d'être venus ce soir, parce qu'on apprécie beaucoup que les gens, en cette ère d'auto-tune et de loop et de musique électronique pré-packagée, c'est toujours le fun qu'il y ait des gens qui se déplacent pour écouter des vrais musiciens qui font de la musique live. C'est un honneur. Donc vous contribuez tous à la survie en étant ici ce soir et je vous en remercie du fond du cœur. Alors voici une pièce qui s'appelle Paradox Polka. C'est un peu la pièce qui a donné son nom au groupe. C'est une longue et ambitieuse composition en quatre parties à travers laquelle tout le monde va prendre un petit solo à un moment ou un autre et on finit avec une espèce de coda cubaine qui est le Montuno de la mort qui va achever notre premier set. Et après ça, on va prendre un petit rafraîchissement puis on revient pour un deuxième set. Donc nous sommes Paradox Plaza et voici Paradox Polka. Merci beaucoup. Thank you.
Thank you.
Je vais vous présenter.
Just so-